Salut les forgerons, salut les forgeronnes. Maintenant, on va vous parler du morceau Les Rois du Large. Alors, il y a pas mal d'anecdotes à dire. Attends. Alors, vas-y. Les Rois du Large, il faut que j'en place une quand même. Vas-y, je t'en prie. Parce que je parle pas souvent, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Mathieu, ça fait depuis que je le connais que de temps en temps, il sort son violon parce qu'il est aussi violoniste. Conservatoire, etc. Monsieur, attention. Et à chaque fois, il nous ressortait un vieux riff. Oh, j'adore ce truc-là, King of Fairies. Ça s'appelle ça. Un vieux. Un standard irlandais. Voilà, un vieux standard irlandais qui nous ressortait à toutes les sauces, etc. Et il me gavait avec ce truc-là. Je lui dis, bon, j'aime bien en plus, mais bah, fais-en un morceau au lieu de nous gaver à le jouer dès qu'il avait 5 minutes. C'est rapable, qu'il m'avait dit à l'époque. Je lui dis, franchement, ce truc-là, c'est rapable. Si tu me le fais, tu me mets un beat, je vais te faire plaisir. On se fait un morceau sur King of Fairies. Ouais. Et il a dit, oh, c'est vrai, les gars, je peux. On lui a tous dit, oui, vas-y, fais-le, parce que sinon, il va nous casser les couilles pendant 10 ans avec ce truc-là. Isma nous avait parlé d'une troupe de pirates, en fait. Non, ça, c'est des potes à Robin. C'est les potes à Robin. Ils nous avaient parlé d'une troupe de pirates. Et du coup, moi, j'ai fait l'air, je me suis dit, ah, le truc, il est un peu. Un petit peu joué en mode fiddle et tout machin. On peut caler le délire pirate là-dessus. Et du coup, le morceau est né comme ça. C'est ça. Et sur ce morceau-là, en fait, en termes de musique, je l'ai pensé plus taverne, enfin vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, quand on l'écoute, je joue faux. J'ai enregistré deux pistes de violon parce que ouais, même les chœurs, hein. Ouais, tout est faux dans le morceau. Les percussions chante faux, tout est faux. Ce sont des mecs complètement pochetronnés, nous. C'est ça. On est alors diplomatico. Au début, on entend une ambiance, on entend comme si on était dans une taverne. En fait, j'avais foutu mon micro à une répétition. On a ouvert les bouteilles de Diplomatico et de Sailor Jerry, on se trinquait comme ça, on se racontait les vannes et tout, on faisait les cons. Et on l'a gardé. J'ai découpé les pistes, je les ai additionnées, et puis du coup ça fait comme si t'étais dans une taverne. Et ce qu'il faut savoir aussi, la petite anecdote rigolote, c'est que pour les percussions qu'on entend au début, genre je voulais essayer de trouver le son que ça fait quand on tape sur les tables, alors j'ai tapé sur plein de trucs, sur des cartons, sur des bouquins, sur des trucs comme ça, et j'ai même tapé sur la plage arrière que mon pote Polo avait oublié chez moi, la plage arrière de sa 205 qui 2 mois après s'est fait brûler à Angers. Voilà, Polo, merci ça, c'est, Polo pour ta 205. Ça c'est pour la Magic Turtle, Polo. Merci d'avoir oublié ta plage arrière. Elle est toujours chez moi, tu la récupères quand tu veux. Pour ce qui est du texte, comme l'a dit Mathieu, donc le thème a été inspiré par les potes de Robin qui nous parlaient de son association de pirates dans le sud de la France, où les mecs ils se tapent des délires habillés en pirates tous les week-ends. Et la piraterie, c'est un truc qui nous parle à tous. Et moi, je fais de la voile, pour info, enfin depuis peu, hein, depuis que j'habite dans l'Ouest, évidemment, c'est pas avant Envelin que je faisais de la voile, on est bien d'accord. Je me suis mis à la voile et je côtoie des marins, des vrais, des purs, des durs, des bretons, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai écrit ce truc et on s'est bien marré à le faire et on aimerait faire un clip de dingue mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé l'organisation. On cherche un vrai bateau de pirate. On aimerait beaucoup tourner sur la route, mais pas celui du Playmobil, tu vois, un vrai bateau de pirate et réunir pourquoi pas la troupe des potes de Robin, plein de mecs et tourner vraiment un gros clip. Et je dis putain, mais faut qu'on le fasse sur un vrai bateau de pirate, etc. Ça c'est pas encore fait, mais vous nous connaissez, peut-être que ça se fera un jour. Faut trouver la bonne occasion, voilà. Et le bon bateau pour et le elle faire. Se présentera, hein, le ciel. Ouais, on va faire en sorte, on va tâcher, comme dirait l'autre. Ouais. Bonne écoute des Rois du Large et vive la piraterie.